Hey yo, bien le bonjour du bonsoir, c'est Traclass et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy. Et donc dans l'épisode précédent, on s'était laissé juste devant cette petite grotte où je ne trouvais pas l'entrée. Je ne trouvais pas l'entrée, j'étais en train de péter un câble et là en off entre l'épisode dernier et cet épisode-là, j'ai tourné un petit peu en rond de partout et j'étais en train de péter un câble. Mais en fait, je pense avoir trouvé. Alors fallait avoir l'œil quand même parce qu'on n'y voit pas tellement, tout là avec la lumière et tout. Mais en gros. Ici, voilà, ici il y a un petit tourbillon et je présume que l'entrée est là parce que j'ai beau faire le tour, j'ai rien vu du tout. Donc je pense que ça doit être ça. Sinon, on avait fait la petite maison de Henrietta, il me semble que c'est comme ça qu'on l'appelle, qui était vraiment pas mal hein, pour le coup. Ça fait plaisir d'ailleurs Lumos. d'avoir des quêtes un petit peu cool comme ça où il fallait réfléchir un minimum. Et là, on a une grotte où faut réfléchir aussi. Et comment ça, faut réfléchir? Depuis quand faut réfléchir? Oh, il se passe des choses! Waouh! Attendez, il se passe des choses bizarres! J'ai déplacé la pierre. Je devrais regarder ça de plus près. C'est la pierre, d'accord. Et tout ça simplement pour ça. Donc la vraie difficulté c'était juste de trouver l'entrée de la grotte quoi. Sinon le reste pas ouf quoi. Lancer un répulso sur ce truc qui fait tourner et regardez oh la pierre elle bouge de manière magiquement magique. Et voilà vous avez un coffre nul qui vous servira à rien, qui vous donnera de l'argent inutile. Si Hogwarts Legacy, ça me fait marrer ça. Mais néanmoi Voyons j'apprécie quel quand même fruit le tu as jeu. dans ton sac cette fois, Merlin. Allez, Merlin, vas-y, tant qu'on est là, vas-y, Merlin. Ces peuples de Merlin, là. Des papillons, tiens, oh, qu'est-ce que c'est original. Lumos. La quasi-totalité des épreuves de Merlin consiste à ça. À aller prendre des papillons et les mettre dans des trucs nuls, Réveille-toi. comme ça. Comment, il n'y a pas eu d'effort hein, pour les épreuves de Merlin. Hein. Oh. Et la basson là. Il s'est fait éclataxe. Le gobelin il s'est pas fait respecter hein. Alors c'est bien, j'ai les pierres. Ils sont où les papillons de lumière? Est-ce que vous voyez les papillons de lumière, vous? Je crois que j'ai vu Rébellion. des papillons de lumière. Ils ont l'air d'être. Ah! Je suis mort! Je suis mort de la mort nulle! Oh, comment je suis mort comme un nul! Votre aventure est terminée! Ah bon? Bah punaise! Bah dernier point de contrôle, vas-y! Ah ouais! La mort vraiment nulle! Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'il y avait un petit rebord Une en épreuve dessous. de Merlin. Bah, faut que je la réactive l'épreuve? Non? Lumos. Vous trouvez pas que c'est déjà assez nul comme ça cette épreuve là pour nous mettre des papillons je ne sais où? Rébellion. J'ai vu des papillons. Bah ça doit être là d'ailleurs qui sont les papillons. Ouais c'est juste là à mon avis. Incendio. Ah j'ai pas Lumos. vu c'est des comme ça. C'est des filets du diable. Autant pour moi. Juste à mettre mon petit lumos. En plus j'aime bien ce que ça nous fait escalader avec ces papillons là. Mais voilà. Vous voyez un petit peu le problème? C'est débile, pourquoi est-ce qu'il peut pas garder sa baguette allumée alors qu'il escalade un truc? Genre, c'est débile. Genre, si ta baguette elle reste pas allumée, autant utiliser une lampe torche. Hein. Ça sert à rien de te la péter avec ton lumos. Hein. Réveillon. Alors, maintenant faut que je trouve les derniers petits papillons nuls. Où est-ce qu'ils ont bien pu mettre ces papillons de lumière? Après, s'ils les auraient mis là tout en bas, ça aurait été un peu de l'arnaque. Tandis qu'il faut pas trop que je m'écarte parce que j'ai peur que ça réinitialise mon épreuve of the Merloom. Vous n'allez pas me dire que je vais pas trouver les derniers Rébellion. papillons de lumière quand même. Quand même, les papillons de lumière. Où?
Oh, les papillons de lumière. Pourquoi une musique triste? Pourquoi ça serait triste ici? Moi, j'ai pas envie que ça soit triste. Moi, je suis à l'aventure. Je suis là. Moi, je veux que ça fasse du pom 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 pom. Ah bah tiens, je les ai trouvés. Ils sont là. Ah, c'est triste parce que extrême danger. Ah bah j'ai pu voir que c'était extrême danger de tomber des côtes. J'ai pu voir. Je me suis un peu explosé le crâne tout à l'heure. Allez, venez les papillons de lumière. Voilà. C'est lequel que j'ai pas mis. Il est où? Il est là. Voilà. Épreuve de Merloum. Non, c'est pas épreuve de Merlin, c'est épreuve de Merloum. Alors déjà, tu vas te calmer, s'il te plaît. Il dit même pas les trucs correctement, lui. C'est un fou furieux. C'est épreuve of the Merloum. C'est même pas compliqué. Moi, je trouve que c'est pas compliqué. Alors. Nous, ce qu'on veut. Là, tout ça, c'est bien, c'est fait, du coup. C'est bien, ça fait plaisir. Ça fait très bien plaisir, mais... bon, je dois ramener Rococo, bien sûr. Et on a la quête Plus rien ne cloche. Le jeu de valeur de la cachette d'Henrietta était une carte musicale. Je devrais partir à la recherche du trésor en question. Utiliser la carte musicale pour trouver le trésor. Alors. Bah, c'est pas... Attendez. On va utiliser notre inventaire, parce que c'est vrai qu'on l'utilise aussi très rarement, malheureusement. Sous-exploiter ce système d'inventaire, et puis même ce petit système de cartes et tout. Enfin, je sais pas, c'est la première fois que j'ai un vrai trésor comme ça que je dois chercher, mais... on n'en a pas vraiment eu d'autres. Hein. C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est tous les trucs à lire. D'accord. Ça, c'est tout mon stock. D'accord. je mets tellement jamais le nez là-dedans que j'en avais aucune idée que c'était là, quoi. Alors, on voit une île comme ça qui est rattachée à un gros bout d'île avec, hop, un truc qui fait hop, comme ça, là. Un truc fait comme ça avec un pouce en l'air. D'ailleurs, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, de mettre un petit pouce en l'air. Voilà, j'en profite. Hop, on va retourner sur la carte. Le pouce en l'air, il est où? Bah, il est là, le pouce en l'air. Et l'île rattachée, elle est là. En fait. Et du coup, est-ce qu'elle est bien au milieu ou pas du tout? La carte au trésor, là. La croix. Où est la croix exactement? Elle m'a l'air d'être bien au milieu de l'île. Ok. Donc, en gros... Je dirais là, en perso. Je dirais par là, en tout cas. Ah, peut-être là, même. Peut-être là, ouais. Et il y a pas mal de trucs ici. Bah, déjà, il y a la course de balai, ok, ça, ouais. Là, il y a un petit campement, une grotte. Bon, écoutez, on va essayer de cleaner un petit peu les trucs au passage. Et on va essayer de trouver ça. Par contre, s'il faut jouer les vraies notes... Moi, comme je l'ai dit dans l'épisode dernier, je connais pas du tout un solfège... Jamais fait ça de ma vie, hein. Moi, j'ai joué de la guitare, mais j'ai appris la guitare tout seul, quoi. Donc, je suis incapable de... Si tu me dis, fais un do, fais un la, fais un ré, je connais pas, moi. Aucune idée, hein. Alors, avec des partitions, c'est encore pire, hein. Ah mince, attendez, je voulais faire... J'ai rien fait, là. Pourquoi ça s'est pas affiché sur ma minimap? Allez, on va faire le petit campement, quand même. Quand même, un petit peu de baston. Voyons voir. Fais voir un peu la taille du campement. D'accord, oui, vraiment tout petit. Il y a personne perd. Voilà, j'ai réussi le campement. Trop fort, hein. Il y avait personne. Personne de votre campement nul. Bon, allons faire la petite grotte en même temps. Filet du diable, la lumière s'efface. Ok. Bon. Une grotte nulle et un campement nul. Voilà. Juste histoire de nous faire perdre un petit peu de temps. Ok. Très bien. Continuons. Et du coup, c'est censé être tout là-haut.
Alors vas-y, prends de la hauteur, s'il te plaît. Ok, alors pardonnez-moi, j'étais en train d'éternuer, en fait c'est pour ça qu'il se passait rien. Où suis-je? Où suis-je et qu'est-ce qu'il y a-je? Là, il y a un coffre au trésor. Dans cette grotte juste là, allons le faire. Descends, s'il te plaît. Voilà. Ah, ça m'a l'air Lumos. intéressant par ici. Ça m'a l'air intéressant parce que ça m'intéresse. Et du coup, je me dis, comme ça m'intéresse, ça voudrait dire que c'est que ça m'a l'air intéressant. Voilà, le petit truc comme, comme dans Zelda avec les Korogus, sauf que là, c'est pour avoir un coffre. Voilà. Et par contre, comment ça va être chiant au bout d'un moment, je vais faire ça combien de fois? Voilà. S'il te plaît. Donne-moi le coffre en fait. Et j'ai ma cape, elle est buggée. Voilà, c'est, j'ai réparé ma cape. Il suffit de faire un petit, une petite esquive du turfu et ça répare les capes. Ah ouais, vous saviez pas vous. Ok. Alors là, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. J'aimerais bien juste aller voir là, moi. Parce que bon. Il y a des cloches. Il me faut un espèce de clocher, quoi. Ça, c'est pas du tout un clocher. Cet Hein. endroit a connu des jours meilleurs. Cet endroit a connu des jours bien, bien meilleurs. Hein. C'est quoi ça, là, le grand truc immense, là? Et pas beau, d'ailleurs. De loin, c'est vraiment très pas beau. Après, c'est un peu mieux, mais de loin, il était vraiment moche. Hein. Les textures n'avaient pas chargé. C'est un grand camp de la mort qui tue, ça, par contre. Bon, on va le faire vu qu'on est là. Peut-être que les cloches se trouvent à l'intérieur. Une idée. Ouais, que je pourrais tenter de faire les choses discrètement comme ça. Hein. Je le fais jamais. Mais en vrai. En vrai, ça peut être pas mal hein, aussi. Hein. J'aurais rempli tout un cimetière d'ici ma retraite. Ouais, t'aurais rempli un cimetière, ouais. J'ai jamais compris pourquoi il y a des lois. Elles font qu'entraver notre succès. Pourquoi il n'y en aurait pas des lois? Alors il y a un ennemi connu par ici. Je crois bien qu'il s'agit de l'endroit indiqué sur la carte au trésor. Je l'ai pétrificusé, mais... Ah bah ils m'ont vu. C'est bon, ils m'ont vu. Bon bah écoutez, un hein, baston. Son, le jeu est clairement pas designé pour faire des choses discrètement. Voilà, prends ça dans ta bouche. Voilà, de toute façon, moi, la méthode bourrin me convient mieux. Voilà, prends ça, Sylvanus. Sylvanus Selwyn. Voilà, ça c'est fait. Eh, il me manque 4... Même pas, non, 3. 3 ennemis connus. Je sais plus si c'est sur 13 ou sur 12 que c'était marqué, j'ai pas bien regardé. Et en tout cas, il nous en manque très peu d'ennemis connus à faire. Ça fait plaisir en vrai. Oh, finalement, c'était pas si dur le petit camp. Je m'attendais un peu à mieux. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tac, tac. Un petit coffre. Ah, oh, bah tiens, je vais aller chercher le. Ah mais c'est, on a réussi le campement à fond. Je m'attendais à tellement mieux par contre. Salut! Ah, je m'attendais pas à ce que vous soyez des... qu'on ait des nouveaux en plus là. Meurs et toi, meurs, voilà. C'est pas mal hein, d'utiliser des... Tiens, je ne crois pas. Toi, je ne crois pas, ouais. Le bourreau, il vient là. Ah, mais le bourreau, je peux rien lui faire. Il est trop puissant. Par contre, elle me saoule avec ses Petrificus Totalus, elle. Hein. Ouais, Petrificus Totalus, super. Et pourquoi nous, on peut pas l'utiliser Mais elle sait faire que ça, elle, hein, par contre. Pourquoi nous, on peut pas utiliser Petrificus Totalus en combat, par exemple? C'est un peu débile, non?
Eh, tu m'as lâché? Comme j'ai tué ton pote, t'as eu peur de moi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi? Bizarre elle, hein? Elle est vraiment bizarre. Hein. Voyager était incroyablement pénible avant... avant que j'invente la poudre de cheminette. Sauf que si tu te trompes quand tu dis le chemin dans la poudre de cheminette, bah tu te retrouves pas là où tu voulais en fait. Preuve en est, hein, un ripot de fleurs en fait. Quand ouais. Sébastien apprendra ça, un serpent cendre. Oh mais là on n'a pas tué, hein, on a décimé le camp. Je suis quand même toujours à la recherche des cloches hein, à la base. Hein. À la base des bases. Vraiment ça que j'étais venu faire. Pas l'air d'avoir de cloche par contre. En plus, oulala, c'est il fait nuit, j'y vois rien. C'est pas le genre de fête où on a envie de venir sans personne. Mystère et boule de gomme. Qu'est-ce qu'il y a? Mais en plus, j'y vois plus rien maintenant qu'il fait nuit. Il y a des cloches là ou pas? Il y a pas de cloche. Que la principale arme d'un sorcier, son ça, c'est esprit. Quoi là-bas? Vous devriez éviter ce... Ah, c'est un truc, d'accord. Une table d'astronomie. Tiens, n'essaie pas. Quoi, tu veux quoi, toi? Meurs! Voilà! Ouais, vous croyez quoi, vous? J'essaie ce que je veux, en fait. Une table d'astronomie, alors moi je fais. Bien plus en sécurité à présent. Voilà, comme il dit. Tout pareil. Ah, fait pas nuit là. Là, il fait pas nuit là. Là, pour le jeu actuellement, là, il ne fait pas nuit. Ou alors que je suis pas du bon sens. Ben non. C'est juste que le jeu, il considère pas qu'il fait nuit. Oh là là, ça m'est déjà arrivé une fois. C'est pour ça que je sais qu'il considère pas qu'il fait nuit. Ça m'est déjà arrivé. Et voilà, j'ai attendu. Ah, quelle grande différence entre tout à l'heure et maintenant. C'est vrai que tout à l'heure, il faisait pas nuit. Là, il fait bel et bien nuit quand même. Toute cette histoire. Là. Il n'y a rien d'autre, hein. Il n'y a rien d'autre. Ah voilà, ça y est, j'ai réussi. Le loup, wow. Il crie à la lune ou quoi? Parce que c'est un loup, c'est comme ça, en fait. C'est rigolo, non? Ok, c'était peut-être pas si rigolo. Mais... quand même. Ouais, bah, pouette, vous-même, hein. La blague était peut-être pourrie, mais moi, elle m'a fait plaisir. C'est le plus important. Par contre, dans cette histoire, je trouve pas les cloches, hein. Tout ce qui est au niveau des cloches et tout, pas. Ah, un Gugus. Tiens, je disais justement qu'il y avait plus de Gugus dans les cabanes. Protego, vous... Ah, trompé de bouton. Vous pourriez me donner un Est-ce coup que de main tout va bien? Loin de là. Je me suis aventuré dans une ruine et j'ai été attaqué par des araignées. Mais si vous avez une potion Wiganweld, je suis sûr que ça me remettrait sur pied. Ouah, très étonnant, il veut que je lui donne une de mes potions. Oh, c'est pas comme toutes les autres personnes que j'ai rencontrées dans des cabanes comme celle-ci. Oh là 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 là, vous n'en avez pas vous besoin. Vous n'avez rien, même pas une égratignure. Vous n'avez pas besoin de potions Wiganweld. Comment osez-vous me traiter de menteur? Elles étaient partout, ces horribles choses. Ouais, c'est bon, ça dégage. Bientôt un fantôme. Ouais, c'est ça, c'est bon. À chaque fois, je vous donne une potion et vous en avez juste rien à foutre. C'est bon, ça sert à rien de toute manière. Faut que j'aille faire des réparos là-dessus. Moi, je suis quand même à la base. Je suis quand même à la recherche de... la recherche des cloches, moi. Comme c'est quand même ça, hein, moi, à la base. Que je suis venu faire. Hein. Troisième, c'est là-bas. Impression? Non, pas du tout. Si, c'est là. Ok. Fini t'es une campatène? C'est bon. Ça fait l'épreuve de Merloom, ça fait plaisir.
Oui, allez, la cinématique nulle. Je voudrais chercher des cloches. S'il vous plaît. Alors. Qu'est-ce qu'il y a donc par ici? Après, la croix me paraissait bien au centre, hein. C'est pour ça, hein. Tu. Réveillon. Il y a pas mal de trucs dans les environs. Bon, on va pas tout faire maintenant parce que j'ai un peu la flemme parce que je te cherchais des cloches en fait. Regardons la carte. Les petites cloches. Moi, je vois que par là hein, parce que je tourne en rond depuis tout à l'heure, mais ça peut être que par ici. Hein. Il y a des cloches. Ça m'a l'air bien au centre de la carte. Vraiment. Pas de cloche là derrière là. Quoi ça? Non, c'est pas des cloches. Vous avez pas de cloche dans votre campement nul? S'il vous plaît. Oh, des cloches! Ah ah, des cloches! Et voici les petites cloches. Par contre, j'ai bien peur que. Bien peur qu'il faut que je. Ah, ça me donne la partition. La carte contient peut-être des indices quant à l'ordre dans lequel je dois faire sonner les cloches. Ouais, elle contient des indices, mais moi j'y connais rien. J'y connais rien de rien en fait. J'y connais rien. Tout en bas. Middle, deuxième. Oh là là. Oh là là. Mais eux, ils ont cru qu'on était tous musiciens ou quoi? C'est fou furieux. Non, c'est pas toi, hein, déjà. Et pourquoi. La carte contient peut-être des indices quant à l'ordre dans lequel je dois faire sonner les cloches. Ok les amis, alors je vous avoue, j'ai triché allègrement. J'ai devant moi l'ordre dans lequel je dois faire sonner les cloches. Voilà, je suis allé voir sur internet puisque moi je connais rien à ça, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. 2, 3, 4, ok. 5, 6, 7 et 8. Ah, c'est la musique d'Harry Potter Fleur. Peut-être des indices quant à l'ordre dans lequel je dois faire sonner les cloches. Ah, je crois que j'ai dû faire une erreur quelque part. J'ai reconnu, je me disais que ça sonnait un peu mal au début. Ça veut dire que j'ai dû faire une erreur quelque part. Alors, attendez. Tac. Ah, c'était celle-là, je crois. Ah, c'est là où je me suis trompé. Ok. 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 Et ok. Ah, ça sonne quand même bien mieux, là, mon oreille. Ça a fonctionné. D'accord. Super. Du coup, maintenant, Réveillon. C'est passé un truc magique, c'est ça la magie? Et voilà le trésor. Waouh. Tout ça pour un manteau. Un manteau pas très beau, en plus j'ai l'impression. On va quand même aller le regarder avant de le critiquer. Parce qu'on sait jamais, mais... Ouais, si, ça va. En vrai, j'ai été mauvaise langue. Il est assez stylé, ça va. Mais bon, comparé à mes vêtements à moi, bah, c'est ridicule, quoi, son truc. En même temps, de toute façon, globalement, il y a beaucoup de trucs pour se personnaliser et tout comme ça. Mais globalement, je suis pas assez fan.
malheureusement. Par contre, j'ai complètement tout cassé là. Qu'est-ce que j'avais mis moi comme forme de dessert pensante. Après, faut que je re-regarde parce que j'ai débloqué pas mal de choses. Étant donné que bah, j'ai réussi pas mal de défis, hein, vu que je suis déjà à 90% des défis. J'ai bloqué pas mal de trucs, ça fait un bon moment que j'ai pas mis le nez dans les vêtements, mais bon, on va pas faire que ça tout de suite. Mince, j'ai quitté. Ce que je voulais faire, c'était... Tac. Aller rendre la quête, du coup, de Rococo. Pourquoi, pourquoi ça m'a rien affiché, là? Faut que j'y aille pour découvrir la map. Il y avait clairement des choses là, hein, tout à l'heure. Hein. J'ai vu, moi. J'ai vu. Hein. Bon. Allons rendre la quête à Rococo. Là, si je fais ça... Attendez. Ça me stresse, finalement. Donc, par exemple, si je vais mettre un pied là-bas. Et là, il y a des trucs. J'ai vu des trucs tout à l'heure. Ouais, regardez. Là, il y a des épreuves of the Merloom nulles. Ah, il y a bien des trucs ici. C'est juste que ça me les affichait pas. Ah, ça m'affichait pas tout. Bon. C'est pas grave. Dans tous les cas, nous, on va à Bimbourg prendre la quête pour Rococo. D'ailleurs, si je peux le garder, Rococo, je peux vous dire que je vais me le garder pour moi. Ça me fait toujours un petit nifleur en plus. Ça fait plaisir. Si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Jusqu'à maintenant, j'ai tous récupéré les animaux. Donc je vois pas pourquoi cette fois je le récupérerai pas. Miss Coffee, j'ai trouvé votre nifleur. Miss Coffee, j'ai trouvé votre nifleur. Oh bon sang, vraiment? Oh merci. Vous avez beaucoup de courage. Je ne savais plus quoi faire. Comment va mon cher Rococo? Puis-je le récupérer? Non. Je le garde. Pour tout vous dire, je crois qu'il m'aime bien. J'ai décidé de le garder. Quoi? Mais il est à moi? Oh, j'aurais dû affronter mes peurs et partir à sa recherche moi-même. Eh oui. Oh, tu serais probablement morte parce qu'il y avait quand même pas mal de serpents cendres. Hein. On dirait bien, oui. Vous auriez dû, en effet. Oh, comment ai-je pu laisser ça arriver? Prenez soin de lui. Il n'aimera personne d'autre. Jamais. Bah si, moi, il m'aime bien. J'espère qu'il ne vous laissera pas le moindre instant de répit. Oh, ma pauvre. Oh là là, je vais voler son nifleur. Bah ouais, mais moi, je... Comme ça, j'aurai Rococo chez moi, voyez, comprenez. Je fais la collection, j'en ai plein des animaux uniques, un petit peu. Ils ont un prénom, alors que les autres, non. L'épreuve sans bacard. On va faire l'épreuve sans bacard. Ah non, d'accord, ça c'est la quête principalement principale. C'est la quête principalement principale. Ah ouais. Bon, et on va aller faire celle-là alors. Hein. On va faire celle-là. Allons-y, simplement. C'est parti, let's go. Parti, let's go en fait. Ouvrir le coffre verrouillé sous l'ancien manoir du Val du Manoir. Ça fait beaucoup de manoirs, ça. Ouh, ça m'a l'air d'être une grande zone encore. Oh, stylé. Et des inféries chiants. J'aime bien l'ambiance qu'à part ici. Oh, comme toi, toi. Il est fou, lui. Il fout des patates. Mais si je peux te foutre des patates hein, si je veux. Hein. Je pensais en avoir un autre d'une féerie là. Il est là-bas. Une épreuve magiquement magique. On va la faire. Bam! Prends ça dans ta bouche. Voilà. Alors. Épreuve de magie ancienne. Examinons ça. Utiliser mon balai? Je peux pas utiliser mon balai ici. Et si je triche comme ça? Ça marche la triche? La triche marche! Très bien. Ah, pourquoi pas après tout, hein. Où est la magie ancienne? Ah, y a un truc bizarre là derrière.
Une statue ou je ne sais quoi. Mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux ça. Magie ancienne. Suivant. Magie ancienne suivante, s'il vous plaît. Allez, j'aimerais bien récupérer le coffre, mais voilà, je galère. On ne voit pas. D'accord, juste en haut ici. Ah, il y a l'air d'avoir plusieurs statues comme ça, d'accord. On prit le délire en fait. J'ai compris le délire en fait. Il fallait que je voyage à travers les crapauds. Je ne peux pas atterrir actuellement. D'accord. Et il était où le premier crapaud du coup? À la base, il y avait un crapaud initial, j'ai envie de dire. J'ai envie de récupérer un peu tout ce qui traîne. Voilà, une envie soudaine. Mes réflexes de loutovore me reviennent. C'est vrai que maintenant, j'ai abandonné un petit peu les trésors. Lui, il est carrément keblo là-dedans. Enfin, bref. Très bien. De toute façon, j'ai l'impression que les crapauds étaient seulement là pour récupérer les trucs de magie ancienne. Enfin, ouais, les trucs de magie ancienne, c'est ça. Donc là, maintenant, il faut que j'aille trouver le trésor du tombeau maudit. Il y a une épreuve of the Merloom juste à côté. On va la faire. Comme ça, c'est fait. Et voilà. Voilà une agréable surprise. Pourquoi l'atterrissage n'est pas disponible? N'importe quoi! Mais c'est toi, t'es pas disponible! Et. Je n'ai pas meilleure piste pour atterrir là, hein. N'importe quoi le jeu. Le jeu, c'est un fou furieux le jeu. Vraiment. Un déglingo de la tête le jeu. Vous pouvez pas atterrir, s'il te plaît. Vous pouvez faire atterrir un avion, tu sais. Il m'a saoulé lui hein. Je vous dis hein, il m'a saoulé hein. Ok, alors j'ai trouvé le premier, c'est super. J'ai trouvé le deuxième. C'est super. Réveillon. Troisième il est où? J'ai trouvé le troisième. Et c'est super. Ok. Confringo. Bam. Bam. Petite coulade. Bam. Voilà. Ça au moins c'est facile. Ça au moins c'est facile. Facile, efficace, ça me va. Moi ça me plaît. Rebellion. Ok, continuons. C'est quoi ça? Oh là là, le labyrinthe, trop dur. Oh là là, dans le labyrinthe, il y a des inféries. Oh là 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 là. C'est dommage hein, j'aurais pu le faire hein, le labyrinthe, mais de toute façon je suis sûr que même si j'y vais à pied, je suis sûr que c'est même pas si dur que ça. Ouais ouais ouais. Waouh, c'était tellement dur. Quoi, un truc de ouf les labyrinthes dans Hogwarts Legacy. Meurs en fait. Voilà. Voilà. Ouf. M'a saoulé. Ah, mais je peux pas réutiliser mon balai magique pour sortir, par contre. C'est un peu bête. Bah, faites en sorte que je ne puisse pas rentrer avec mon balai magique. Si je ne peux pas l'utiliser pour sortir. Voilà, vous mettez une protection magique et puis hop, je peux pas y aller pour éviter qu'on puisse faire comme ça et puis que pour que le labyrinthe a rien d'intérêt. Bon après le loot à la fin il sert à rien donc bon. Il dire hein. Y a des méchants là. Ils sont pas gentils. Et là je commence un petit peu à me saouler. Hein. Je vais pas le cacher. Mais il commence un petit peu à me saouler quand même. Voilà, ça dégage. Tac. Tac, 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 tac. Tac. Et tac. Et ça dégage. Ça fait plaisir.
Là, il y a un coffre grand. Ici, c'est du stuff légendaire. Alors, ça vaut le coup quand même d'aller le chercher. Parce que ça me fait du stuff légendaire pour de côté. Et ça fait plaisir en vrai. Tout à l'honneur, Morna. Voilà. Par contre, je vais galérer à trouver. À trouver l'entrée l'entrée de dessous l'ancien du manoir du Val du Manoir. Ah ouais, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le manoir du Val du Manoir. Revelio. Pas par là, par hasard? Comment on y va là-bas? Ah, peut-être par les crapauds? Peut-être qu'on doit y rentrer par les crapauds, je suis en train de penser. Dans ma mémoire qui est dans ma tête. Ah, je suis coincé! Non, ah, ouf. J'ai eu peur. J'ai eu peur de rester coincé à vie. J'ai paniqué. Allô, Mora. Je ne pense pas, vu qu'il n'y a que deux crapauds. Très franchement, je ne pense pas que ça soit la vraie solution. Par contre, j'ai vu un autre truc qui m'intrigue. Peut-être que c'est là-bas. On va voir. Là, si vous regardez. Bon, bah, cette fois, ça me l'affiche pas, donc je vous montrerai après. Ça me permet juste de monter là. Voilà, ouais, c'est ce que je me. Je me doutais que c'était complètement inutile. Très bien. Bon, ça sert à rien. Malheureusement. Mais si je fais ça. Là, il y a une arche. Juste là. Une épreuve d'atterrissage que j'ai déjà faite, visiblement. Ok. En tout cas, je pense avoir trouvé l'entrée, du coup. Ah non, c'est pas réparé où je voulais, non. J'ai pas tellement envie de réparer du rien. Bah, j'ai fait n'importe quoi encore. Ah non. D'accord, j'ai juste pas mis mon sort. Très bien. Alors. Non, c'est juste une grotte là. Revelio. Ah, flûte, ça avait vraiment rien à voir avec le manoir de sous le manoir. Ah, ça avait rien à voir avec l'ancien manoir du Val du Manoir. Bah, j'ai le somme. Comment ça me saoulait là? En fait, les vraies énigmes dans le jeu, c'est pas les énigmes en soi, c'est de trouver les entrées. Leur MDR, en fait. C'est chiant. Donnez-moi l'entrée. Revelio. Visiblement, c'est pas par là. Du manoir du Val du Manoir. Je suis ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y aurait une tombe. Ah, attendez. Je crois que j'ai trouvé un truc. Ok. 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 En vrai, je me suis plaint, mais assez stylé, du coup, que ça soit un peu camouflé. Quoi? Mais t'es qui, toi? Comment je lui ai cassé la bouche à elle. Et ennemi connu, il nous en reste plus que deux. Sachant qu'on va en revoir un juste là, apparemment. Non, il n'y en avait qu'un. Oh, j'étais peu... Ah, il est là, seigneur du manoir. C'est Ninferi. Trop stylé. Bon, il est nul. Mais trop stylé quand même. Il semblait bien que j'en avais vu deux de... ennemis connus par ici. Du coup, il nous restera plus qu'un seul ennemi connu en interminé. Les ennemis connus. Balèze en vrai. Je trouve c'est balèze en vrai. Oh! Carte au trésor numéro 2. Super.
Ah, puis en plus, je vais devoir faire des flipendo sur les cailloux et ça marche jamais, ça m'énerve. Et j'arrive pas du tout à lire la carte, par contre. Ça pourrait être intéressant de voir où elle mène. Bah ouais, on verra où elle mène, mais... Attends, je vais voir où mène cette grotte là, parce que... Voilà, déjà vous prenez ça. J'ai pas fait ça à la bonne personne, mais c'est bon. Bah, je t'avais pas envoyé un... Ah non, c'est à toi. Pourquoi ça marche pas? Ça rebondit pas, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Bon. Des fois, moi j'ai appris un truc avec ce jeu. C'est que des fois, il faut pas chercher à comprendre. Ça sert à rien. Faut laisser les choses faire et les choses couler, tu vois. Des fois, il y a des trucs qui marchent, des fois, ils marchent pas. C'est normal. Vous allez popper à l'infini ou comment ça se passe là? J'ai pas que ça à faire. Hein. Moi, je suis un déglingo, hein, je vous rappelle. Hein. Pas faire, hein, calmez-vous. Hein. Alors là, c'est là d'où je viens, du coup. Je me suis perdu à force de tourner en rond. Alors, là, il y a rien. Là, il y a rien. Et là, il y a rien. Beaucoup de rien. Très bien. Là, il y a ça, même. Mais je ne peux pas récupérer parce que j'ai déjà. Je suis plein. Des ennemis, ça, y en a. C'est indéniable. Hop, hop. Voilà. Venez vous battre un petit peu, là. Voilà, saoule-moi pas, parce qu'il a me foutu une patate, j'avais pas tellement envie. Je comprends pas si sous le manoir c'était si grand que ça. Pourquoi est-ce que... Ah, mais ça se trouve que moi, l'entrée que j'ai trouvée, ça devait être la sortie. Ah, j'ai l'impression que l'entrée que j'ai trouvée, c'était la sortie en fait. Bah non. J'ai aucune idée. J'étais justement en train de dire que quand ça va, des fois fallait pas chercher à comprendre. Bah, je trouve que je vais pas chercher à comprendre parce que ça sert à rien. L'entrée était juste là. Ah bah si, en fait, c'est bon. Bah, vous voyez, j'ai cherché à comprendre et j'ai compris. En fait, l'entrée était juste là et du coup, je suis bel et bien sorti, rentré par la sortie. Du coup, j'ai mis sur un fragment de carte pour trouver le trésor. Alors, moi là, je veux bien, mais alors je t'avoue que je ne. Une idée de ce qu'elle peut bien m'indiquer là, ta mystérieuse carte. Hein. Mais je veux bien, hein, je veux bien le faire. Hein. Pour moi, y a pas de problème. Hein. C'est pas une conjuratrice. J'attends les inférieurs invoqués par Thanas sont rapprochés. Travailler pour Gringotte en tant que conjuratrice de mauvais sort fut un honneur. J'aurais dû me douter qu'on ne pouvait se fier à Tana. Il s'agissait de ma partenaire après tout. J'espère que vous me pardonnerez cette erreur. Dites à ma famille que j'ai trouvé la mort au combat. Potine. Parce que c'est que ça, mais... Fragment de carte. Dans tous les cas, de toute manière, je vois le timer, je pense qu'on va s'arrêter là. On essaiera de faire la fameuse carte dans l'épisode prochain encore. Décidément, en ce moment, c'est qu'on a des cartes. Hein, c'est surprenant. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça fait toujours plaisir. De toute manière, là, il va nous rester cette quête secondaire-là, pardon. Et après, bah, si on n'en a pas d'autres de quêtes secondaires qui pop, bah, du coup, on partira sur la quête principale. Hein. Parce qu'au niveau des défis, attendez. C'est quoi, ça? La tribu que vous avez récupérée. Ouais. J'ai récupéré pas mal de trucs, hein, quand même. Hein. 13 créatures, ok. Moi, j'ai pas tous les baleines, ok, d'accord. Ça, en vrai, je m'en fous. Non, moi, c'est là que je voulais aller, c'est dans défi. Et c'était... c'était quête, pardon, quête. On en a 24 sur 32. Ouais. Bon, si on en a pas d'autres qui apparaissent, on les fera... Bah, on partira sur la quête principale, puis on les fera quand ça va popper, hein, tout simplement. Enfin bref, je vais arrêter de parler pour rien dire. Je vous dis merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner et activer la cloche. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine
vidéo. Merci tout le monde.